Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte de Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged parce que ça vient d'arriver dans le Game Pass depuis le jeudi 28 mars. C'est un ajout très récent et donc on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est parti! Alors on peut choisir une voiture, ce sont des voitures qu'on a reçues quand on s'est logué, tout simplement. Alors vous ne l'avez pas vu parce que j'ai d'abord fait tous les settings et je vous ai épargné tous les réglages, mais il va encore falloir bouger le réglage du son je pense. Mais c'est parti, on va donc prendre ce véhicule-ci. Alors je suis en difficulté moyenne. Si je m'en sors pas, je mettrai en facile. Départ, appuyez sur l'accélérateur avant que le chiffre 2 n'apparaisse pour obtenir un boost. Avant que le chiffre 2 n'apparaisse, ok. 3. Voilà, ça va. Dérapage, utilisez le dérapage pour obtenir une charge de boost, appuyez sur RT plus LS, LT plus LS. Ah mais je vois le boost. Utilisez le boost pour dépasser vos concurrents, appuyez sur A, ouais. Sauter pour éviter les obstacles, attention cela consomme de la charge de boost. Ah j'étais pris dans une toile d'araignée. Ah ça c'était pas prévu. Contrôle aérien, vous pouvez gérer votre véhicule tout en étant dans les airs. Ok. Poussée latérale. Frappez vos concurrents avec la poussée latérale. Attention, elle consomme de la charge de boost. Appuyez sur X ou B. Ah ouais, tu vois. Fin du premier tour, gagnez la course. Bon, on pourra bien gérer le dérapage, donc c'est normal. Oula, éjecté du circuit. Ah, c'est mal barré. Réapparition RB. Je n'ai plus aucune chance de les rattraper hein, sur ce coup-là. Dernier tour.
Ça commence à aller mieux pour les dérapages. Je commence à capter correctement. Troisième. Je crois qu'il fallait gagner, donc c'est raté. Troisième. On continue. Ça sera XP. On passe niveau 1. Un petit succès. Alors qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit des pièces, des jetons de spin et des points de compétences. Depuis le menu principal, vous pouvez plonger dans Hot Wheels, Créature Rampage, construire vos circuits et accéder à tous les modes de jeu. Amusez-vous bien. Les fonctionnalités de jeu Cross Network sont disponibles. En activant ces fonctionnalités, vous pouvez rencontrer sur les circuits et dans les gradins des joueurs utilisant des plateformes différentes de la vôtre et utiliser leur contenu généré. Vous pouvez activer les fonctionnalités de jeu Cross Network dans la section Profil. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mode rapide, multijoueur, garage, track builder. Bienvenue aux Belpies. Ok, ça c'est l'expansion pack. Bon, ça on l'a pas puisqu'on a le jeu de base. Voyons voir un petit peu. Alors, garage, qu'est-ce que ça dit? Alors, les pièces. Voici la zone de collection où vous pouvez améliorer vos véhicules. Rendez-vous dans le gestionnaire de véhicules pour débloquer de nouvelles compétences. Ok. Je regarde un petit peu. Gestionnaire de véhicules. Ici, vous pouvez dépenser des pièces, des points de compétences et des kits d'amélioration afin d'améliorer votre véhicule. Dépensez ce que vous avez obtenu pour acheter et équiper des compétences. Alors, qu'est-ce qu'on a? Maniabilité, boost, obstacle. Non, c'est locké, donc je peux rien faire. Adhérence maximum. Augmente la maniabilité de dérapage, mais réduit le gain de la charge de boost obtenue en dérapant. Bon, on va attendre ça pour l'instant. Ah oui, ça c'est les voitures suprêmes, favoris, ok. C'est les voitures boostées, quoi. Ça c'est les voitures de base. Ok. Alors, on va voir le Hot Wheels Spin, ce que c'est. Voici le Hot Wheels Spin. Il vous permet d'obtenir des différentes récompenses de la roue. Ok. J'ai un spin, je lance, c'est comme dans Forza Horizon. Hein. Qu'est-ce qu'on reçoit? 2 points de compétence. Faites tourner la roue. Ok, encore un truc, un petit succès. Bon, ben j'ai plus, donc je vais sortir. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre? Éditeur de livret, bon ça, j'ai pas, je laisse. Éditeur autocollant, je m'en fiche aussi pour l'instant, je vais pas m'amuser à ça. Je laisse ça aux professionnels. Alors ici, HER prototype, véhicule possédé, 2000 pièces. Ah, c'est pour acheter ça ou quoi? Attendez, hein. Hop hop. Boutique. Ah oui, c'est ça, j'avais oublié la boutique. Donc il y a le garage, ici, où on voit la collection de voitures. Alors la boutique où on peut acheter des trucs aussi. Donc là, on peut acheter des voitures en fait. Donc j'ai 3200 pièces. Ah oui, donc je peux m'acheter certaines voitures. Est-ce que je vois ce que j'ai déjà? Mettre à jour la liste. Le problème c'est que je sais pas si je les ai déjà ou pas. Bon, je suppose que je les ai pas. Hein. Je vais attendre, voir s'il me faut quelque chose pour une course précise. Je vais garder mes sous pour l'instant.
contenu téléchargeable, le garage, le buteur, je vais pas prendre. On va faire celui-ci peut-être maintenant. Ah, il y a un Season Pass 2 aussi, décidément, il y en a plein de trucs à acheter évidemment. Hot Wheels Turbo Charge Accelerator, ouais, c'est comme dans Forza, il y a plein de packs. Ok, Hot Wheels Creature Rampage, allons-y. Qu'est-ce qu'on a de beau? Vous voilà enfin! Vous en avez mis du temps! Je vous ai appelé! Il y a 6 minutes, professeur, et on était à l'autre bout de la ville. On a battu notre corps d'ailleurs. Alors, qu'y a-t-il de si urgent? C'est un peu gênant. Allez, crachez le morceau! J'ai un nouvel appareil qui copie les petits éléments et les agrandit. Et l'inverse aussi, peut-être. Je l'ai testé sur des pièces de circuit spéciales. 5 d'entre elles, avant de réaliser qu'ils n'étaient pas cassés. Il lui fallait juste plus de temps. 10 secondes, pour être exact. Ne me dites pas que... Quoi ? Je crains d'avoir libéré 5 créatures. Elles ont fait des bruits horribles. Et elles se sont échappées. Ah, vous êtes enfin arrivés. Vous en avez mis du temps. Te voilà. On est là depuis 5 minutes. Je détecte une probabilité de sarcasme à 74%. Vous confirmez ? Cela améliorerait mes performances futures. Au fait, vous avez accepté ma politique de cookies ? Professeur, c'est bien pire que la boue vivante. Bien pire. Du calme, du calme. J'ai déjà une idée. Pour empirer les choses, vous pouvez régler ça. Techniquement, j'ai besoin de vous pour appliquer mon idée de génie. Je vois. Encore un de vos plans où on doit se salir les mains. Aucun problème pour la Hot Wheels Racing Team. Vous pourriez combattre les créatures géantes, ou bien... Ah, mauvaise idée. Professeur, vite! L'heure tourne au cas où vous n'auriez pas remarqué. Ils peuvent être n'importe où à faire des ravages. Les combattre à leur taille de jouet. Utilisez le réductosaure pour les rétrécir et en faire de même sur vous. Hein? Pourquoi se battre si on peut les rétrécir? Eh bien... Si l'agrandissement est un processus stable, le rétrécissement, non. Ça ne durerait qu'un très court instant. On dirait un inconvénient. Mais c'est la garantie que vous retrouverez votre taille réelle. Si vous ne finissez pas écrasé avant, bien entendu. C'est mort. C'est sans danger. L'appareil est portatif, facile à utiliser et... Non, c'est mort, j'ai dit. Robert, c'est peut-être la seule solution. Il n'y a pas moyen que je me fasse miniaturiser. Mais... Tu pourrais piloter n'importe quelle Hot Wheels pendant le combat. Attends, sérieux? N'importe laquelle, choisis. Vous devez savoir qu'il y a 0,01% de chance que le processus de rétrécissement... Stop, je veux rien savoir. Darla, je suis partant. Bien, professeur, activez le réductiseur. Le réductosaur. Bref, activez le machin, maintenant. Il y a une probabilité de 99%... Qu'on s'éclate. Go! Salut, voici une nouvelle offre de voyage. Découvrez les mystères de l'accélérodrome et vivez des expériences incroyables. Voilà une nouvelle offre pour vous. Explorez le magnifique village italien et profitez de l'art italien à la vitesse italienne. Alors, course rapide. Bon, on va faire celle-ci. Hein. Condition de progression, monter sur le podium, terminer premier. Ok, mini-golf, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre comme voiture ? Alors, on a celle-ci. Vitesse accélération, maniabilité. Ah, celle-ci, une grosse maniabilité. Celle-là, pas beaucoup. Ah, il y a la moto. J'essaierai bien, tiens, la moto, pourquoi pas. Ça pourrait être fun. Juste pour essayer. Alors, je vais essayer la moto ici. Pourquoi pas. Juste pour essayer. Course rapide, rendez-vous sur le circuit, réalisez un départ parfait pour gagner, etc. Allez, go! Je suis en difficulté moyenne. Hein. En dessous, il y a encore facile. Et puis, il y a 2 niveaux de difficulté au-dessus. Il faut terminer sur le podium. Non, on ne voit pas le pilote sur la moto, c'est dommage. J'ai fait tout.
Oh là, la moto dérape bizarre. Je commence à venir. Il faut bien l'initier au bon moment. Pas forcément évident. La moto est pas super stable. Ouf, non. Oh, j'ai tapé une méchante boule là. Et je me trouve dans le mauvais sens. Génial. J'ai perdu tout mon avantage. Ouais, le jeu est fun, hein. C'est pas ça. J'ai encore du mal avec les dérapages. Et la moto est partie, la moto aussi. Attention aux boules. Voilà. C'est bon. Ça fait peur. Ah, ça c'était bien. On prend le boost. Ah, c'est fun. C'est bien ce qu'on veut. C'est bien fait, c'est fluide. Et on gagne. On avance assez facilement en moyen. Premier. Parfait. Récompense 1500 plus 500. Encore un succès. Mission réussie. Complétez votre première mission. Et encore un succès, décidément. Bon début. Terminer l'objectif Unleash un événement en mode carrière. Ok, impec. Vous avez obtenu 200 pièces et 100 XP. On passe niveau 2. 250 pièces, 1 point de compétence et un arrière-plan. Bon, maintenant on peut aller soit par là, soit par ici. Là c'est quoi? Découvrez les destinations et envolez-vous. Ah non, 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 je vais continuer ça moi, ici. Alors, à vos marques, préparez, rugissement préhistorique, montez sur le podium, terminez premier. Et on prendra un autre véhicule hein, pour un peu tout essayer. On va prendre celui-ci, l'ATV. Après, on fera des améliorations pour voir un peu ce que ça donne aussi. Alors, le musée du dinosaure. Moi, j'ai pas encore très bien compris pour le démarrage. Je sais qu'il faut le faire quand le 2 apparaît, mais juste avant. Encore une fois, dommage qu'on voit pas de pilote dessus. Hop là. Ah, j'ai réussi mon dérapage aussi. Ah, faut que j'apprenne. Ah oui, voilà. Faut pas le faire au début, faut le faire un peu au milieu. Maintenant. Voilà. Ça marche plus ou moins. Oh là là là, c'était juste. Non, je sais pas combien d'avance j'ai, mais ça a l'air impressionnant. Attends, on est toujours en difficulté moyenne. Hein. Ça dépend peut-être aussi du véhicule qu'on prend. Hop
puis je passe à travers la barrière quand même. Plage de vite. Dérapage. Parfait. Un petit bulle vert, je sais pas ce que c'est. Hop, j'ai vu ton truc. Non, j'ai pas vu. Oh là, ils viennent. Oh bah ça, je pensais pas. Pourquoi c'est pas si facile que ça, finalement, en moyen. Puisqu'il s'est qu'à ma revue. Hop là. Attention, je fais pas de figure parce que j'ai pas envie de me retrouver à l'envers comme lors de l'autre course. Les figures, on verra ça plus tard. Dans ça, nous allons essayer de gagner. Oh, elle est pas mal, ça. Un petit peu raté, mais pas mal. Dernier tour. Bon, tout donner. Un petit jeu de fun. Ça nous change de Forza Motorsport ou d'Horizon. Un petit dérapage. Là aussi, un petit dérapage. Voilà. Fini par un turbo. Un petit dérapage turbo. Ah, c'est fun. C'est super fun. Voilà. Et voilà, on est quasi arrivé. Oula, non, il faut pas rater son coup. Voilà. Petit dérapage. Celui d'un turbo. Idem ici, petit dérapage, celui d'un turbo. Ouais, il fait pas de gros turbo. Voilà. Pas mal. Hop. Et voilà, victoire facile. Premier. Impec. 500 XP. On peut peut-être commencer à penser à acheter des nouveaux véhicules. On va sortir, on va acheter un nouveau véhicule. Donc on va sortir du mode ici. On a reçu 250 pièces. On va sortir et on va acheter un véhicule. On va dans la boutique, garage boutique. J'ai un peu du mal à voir où je suis. Voilà, boutique. Non, ça c'était le garage, la boutique. On va s'acheter un nouveau véhicule. Comment je peux savoir ce que j'ai pas, quoi? À mon avis, celle-ci, je l'ai pas, la Dodge Charger. Aperçu. Non, c'est... Ah, maniabilité, vitesse. Ah, elle est très maniable, celle-là. Dérapeur légendaire. Fast and Furious. Ouais, j'ai acheté. Oui. Donc là, ça me coûte 5000 points Hot Wheels. Encore un petit succès. C'est parti pour le shopping. Faites un achat dans la boutique. Et maintenant, je vais l'améliorer parce que vous voyez qu'elle n'a pas beaucoup de vitesse. Donc, je vais essayer de l'améliorer pour qu'elle aille plus vite. Donc, on va aller essayer de l'améliorer. On va aller ici dans collection. On va prendre la nouvelle voiture qu'on a. La voilà. Non, c'est celle-ci. Non, c'est pas celle-là. Où est-ce qu'elle est? Bon, ça, c'est des DLC, ça. Donc, c'est Mattel Game. C'est pas celle-là. Elle est légendaire. Ah, celle-là. Non. Drapeur légendaire. Fast and Furious. C'est celle-ci. Alors, on va l'améliorer. Donc, on va acheter. Impec. On achète la compétence. On augmente la maniabilité en dérapage. Boost. Je peux acheter ça. Ah non. On peut pas, il faut 1500. Moi j'ai 1500. J'ai encore 3 points d'amélioration. Il faut 1 point d'amélioration. Voilà. Au-delà de la limite, améliorer un type de véhicule. Donc maintenant il est boosté. Alors là, je peux choisir ce que je veux. Je peux pas faire la vitesse, c'est ça qui est bizarre. Augmente l'accélération mais diminue le gain passif de la charge boost. Augmente le gain de vitesse lors d'un phénomène d'aspiration mais réduit le gain de la charge boost.
augmente le gain de charge de boost en exploitant un phénomène d'aspiration, mais diminue la vitesse lors d'une aspiration. Ok. On va faire ça. Impec. Et le rang suprême. Là, qu'est-ce qu'il faut? 3 emplacements de compétences. Continuer vers la catégorie suprême. Il faut 3002. Bon, ça, j'ai pas assez, de toute façon. Il faut 2 rouges, j'en ai 0. Ok. Par contre, j'ai encore un point que je peux mettre. Accélère le gain de charge de boost en dérapant, mais réduit la maniabilité du dérapage. Bon, je vais laisser comme ça. Maintenant, je dois l'équiper, je suppose. Ah oui, je dois l'équiper aussi. Je peux en équiper 3. D'accord. Donc, j'équipe celui-ci. D'accord, voilà. Donc, je l'équipe. Maintenant, j'en achète un autre. Je sais pas lequel. Et on peut changer, en fait, son build. Ça, c'est chouette. Augmente la puissance du boost, mais diminue l'accélération. Augmente le gain de charge de boost en exploitant le phénomène d'aspiration, mais diminue la vitesse lors d'une aspiration. Je le prends. Ah, je peux pas. Voilà. Et je le mets aussi. Voilà. Et puis, je peux encore prendre un troisième, mais j'ai plus de points. Donc, on va attendre. Ah oui, non, j'ai ça aussi. Ah, j'avais ces deux-là aussi. Ah, bah, je vais mettre ça. Je vais la rechanger. Comment je peux faire pour enlever? Bon, je prends ça. Je mets ça. Je voudrais mettre ça. Comment je fais pour enlever les trucs? Ah c'est ça, je peux tout enlever comme ça en fait. Ah, c'est pas clair comment on peut faire. Collection. J'enlève celui-là et je mets celui-là. Ouais, j'ai compris. Voilà, maintenant je mets ces deux-là. Et c'est très bien, parfait. Et l'autre, c'était le premier, c'était quoi la maniabilité? Augmente la maniabilité de dérapage, mais réduit le gain de charge de boost. Ok, c'est bon. On garde la voiture comme ça et on va la prendre pour une épreuve. Maintenant, on retourne dans le mode Capture Rampage. On fait la course suivante ici. Alors, vous l'avez bien mérité, récompense, ok. Alors, on reçoit sans rien faire en fait. Cool. Ça me va. Je passe au niveau 3. On reçoit des pièces, des points de compétences, un kit d'amélioration, il en faut 2. Hein. Et l'arrière-plan, ok. Alors on continue. Ah j'ai pas vu ce qu'il fallait faire. J'étais trop vite. Toute cette action, c'est mauvais pour mes cheveux. Vous avez vu comme ils sont secs? Des créatures ravagent la ville et tu t'inquiètes pour tes cheveux? C'est facile pour toi. Essaie de penser à moi un instant. Je pourrais modifier l'une de mes formules. On a eu assez de boue vivante, merci bien. Ah, les humains, si ingénieux et si problématiques. Alors on va prendre justement la voiture qu'on vient d'avoir, avec les trucs en plus, une voiture boostée, c'est parti. Course d'obstacles. Faites chauffer vos pneus, faites autant de tours que possible. Ok. Allez, c'est parti. N'oubliez pas de sauter pour éviter les obstacles. Appuyez sur Y. Ouais, ok, très bien. Ah, j'ai oublié ce petit détail. Ah, j'ai fait trop tôt. Ah, pas bien, au départ. Waouh, c'est un régal pour le dérapage. Waouh, c'est fou. Elle dérape comme une folle, cette voiture.
Hop là, on saute. Faut garder enfoncé, hein, sinon ça marche pas. C'est là que ça devient intéressant d'avoir un bon build, parce que vous équipez votre voiture en fonction de ce qu'il faut faire. Ça c'est une très bonne idée, un petit peu comme dans les jeux RPG, vous avez vos capacités. Vraiment une bonne idée. Et bien sympa ce jeu. Ah, j'ai oublié de sauter. Ah, mais qu'est-ce que ça donne? C'est déjà fini? J'ai pas eu vraiment l'impression qu'il y avait beaucoup d'obstacles. Alors, côté dérapage total, ok, temps boost, meilleur tour. Temps à battre une 34, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une 31, cool. Ah oui, une 29 quand même pour... Ouais, il faut y aller. Hein. Faut une voiture plus rapide pour arriver à faire une 29. Celle-ci n'a que 2 en vitesse. Hein. Alors, on a des pièces et un point de compétence. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'utiliser une voiture plus rapide. Ici. On va le refaire. On va prendre une voiture plus rapide. On va prendre la collection. Et on va prendre, par exemple, celle-ci. Voilà, 3 en vitesse, mais on peut prendre une qui a 4. Par exemple, celui-ci. Le quad ici. Il a 4. On peut prendre celui-ci. Mais on peut essayer avec celui-ci, en fait. Comme il va plus vite, ça va peut-être plus facile. Ah oui, faut attendre le 2. Ouais, je sais, pour sauter. Ah, j'ai pas eu tout terrible. Saute, impec. Elle est moins facile pour déraper celle-ci. On saute, rater mon saut. Ah là là, je rate. Réapparition. Ah, ça c'est pas cool ça. Je vois pourquoi ça a fait ça. Ah, j'ai pas sauté. Très bien, Jou. Ah, je crois que ce sera moins bon que le premier qu'avec l'autre voiture. Je sens que c'est moins bon. Oh là là, je fais le... J'ai la balle de flipper là. Moins facile avec celle-ci. Oh, t'as dérapé super bien. Ah, j'ai oublié de te... Et oh, boum. Même erreur que là tout à l'heure. Là, c'est foutu. Hein. Et je tombe à côté. Ah, mais rien ne me serait épargné cette fois-ci. Ouais, c'est mort. Hein. Allez, sauter. Bon, j'ai sauté, c'est bon.
Alors on va avoir un temps de merde. Pas bon temps. Et après. C'est tour infini en fait, je sais pas capté. Hop, on saute, capté hein. Voilà, on va mettre sur la route. Allez, raté encore, c'est pas vrai. Ah, du coup, forcément, c'est loupé. Bon, comme les survivants time attack, je vais l'arrêter après être arrivé à l'arrivée. Allez, saute, voilà. Ah, c'est vraiment beaucoup moins bon. On va arrêter là. Fin de séance. On va voir si on va recevoir des récompenses ou pas. Non, on reçoit plus 12, je sais pas quoi. Non. Oh, j'ai fait oui. Non, mais je voulais pas. Non, je voulais pas. Démarrer et faire stop. Hein. Voilà, fin de séance. Voulez-vous faire le terminal ? Oui. Continuez. Alors, on continue. On va faire celle-ci. Course tropicale, premier ravitaillement. Condition de progression, montez sur le podium, terminez premier et éliminez vos adversaires. Alors on va prendre une voiture qu'on n'a pas encore prise. Celle-ci, il n'a pas encore prise. On va prendre celle-ci. Élimination. Évitez les dernières places, les véhicules en dernière position sont éliminés. C'est parti. Gardez la tête. Allez, go! J'ai encore oublié de faire le truc au bon moment. Elle dérape différemment, celle-ci. Et bim, dans le truc. Ah, ça commence mal. Moi, je vais être éliminé, là. Voilà, recommencer. Élimination guette. Bah éliminer là. On va la refaire. En essayant de pas tomber. Rejouer. Allez. Ah oui, il faut pas appuyer trop vite sur l'accélérateur, faut attendre que ce soit deux. Thank you.
Encore un succès ? Globetrotter, décidément. Terminer une course dans chaque environnement à l'exception de la... Bloop, bloop, bloop. Ah, j'ai appris trop tôt. J'essaie de déraper différemment. Hop, là j'ai pris la vitesse et c'est bon. Oh non ! C'est pas vrai, décidément. Je compte le deuxième. Bah, je peux être éliminé. Hein. Décidément, je suis maudit. Bon bah on va recommencer encore hein. Et ben, sinon je prends une autre voiture hein, parce que celle-ci n'est peut-être pas la meilleure pour cette épreuve. Alors je rejoue. Ouais. Bon, cette fois-ci on va essayer de prendre bien les trucs. Ah il fallait peut-être sauter en fait. Avec Y. Peut-être ça le truc. Bon, j'ai raté le démarrage. Et voilà, j'ai encore raté. Pourquoi je le rate en fait? J'arrive pas à comprendre pourquoi je rate le saut. Ouais, j'ai encore raté le saut. Acrobat. Et j'ai 20 sauts avec un véhicule. Ouais, mais en attendant, c'est raté. Regardez encore, je dois mettre le boost sinon je passe pas en fait, je pense. Trois autres lignes encore. Bon, je réessaye. Je suis encore essayé avec la même voiture parce que je m'entête. Voilà, faut mettre le boost en fait. Au moins j'ai pigé. Ça m'arrange pas beaucoup parce que j'ai repris tout tard. Je vais changer de véhicule. Est-ce que j'arrivais à trouver à. Non, ça va être trop juste. Au moins j'ai compris. Faut mettre le boost à chaque fois avant de sauter. Donc faut pas utiliser tout le boost. Allez, on recommence. Ah non, je vais commencer. Hop, c'est bon. Hop, c'est bon, maintenant les piles. Aïe, 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 je tombe. Oh, c'est pas vrai. Je suis maudit, c'est pas possible. Ah, là, j'ai oublié de mettre l'accélérateur. C'est pas grave, c'est mort. Faut mettre le pouce pour passer, sinon c'est pas vrai. Bon, allez, je vais essayer encore avec cette voiture-ci. Une dernière fois. Puis on changera de voiture s'il faut. C'est tout pilote qui est mauvais, hein, de toute façon. Allez, on recommence. Faut éviter les piles. Si vous prenez les piles, c'est foutu. Ah, j'ai encore raté mon boost de départ, j'ai oublié qu'il fallait enfoncer au bon moment. C'est pas grave. Boost ici. Ça, c'est bien. On prend bien trois boosts là. Ah, cette fois-ci c'est bon. Je
ça ressemble ici. On ne se porte pas dans la zone difficile. Je remets le boost. Et je remets. Oh, j'ai oublié le boost, mais c'est pas grave, c'est passé. Je suis content. Après, c'est moins difficile ici. Attention, il y en a un qui me dépasse là. Attention ici, il faut le boost pour passer. Allez, le boost. Et le deuxième boost, sinon on passe pas. Impeccable. On a pigé, ça marche. Hein. Donc faut pas sauter, faut mettre le boost. Voilà qui m'attrape là. Victoire. Oh, cool. Allez, on est bon. Récompense 1200 et 400 XP. Allez, voilà qui est fait. On a obtenu 300 pièces et 225 XP. On continue. Votre récompense. On pourrait mettre une voiture en max. Je vais faire ça maintenant. Donc maintenant, je peux normalement, avec les deux kits d'amélioration, mettre une voiture au maximum. Donc on va sortir de là. On va aller dans le garage. Et on va améliorer la voiture. Et on va prendre la Fast and Furious qu'on avait achetée. Je ne sais plus où elle est. Ah ouais, elle est dans booster déjà. Elle est là. Et on va la mettre en suprême. Et voilà. On passe la voiture en suprême. Perfectionniste. Améliorer le type de véhicule jusqu'au rang suprême. Bien. Et il nous reste 4 points d'amélioration. Qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Le véhicule est insensible au module dragon en colère, flaque de venin, bande transporteuse et Gator Geyser. Ok. Ça c'est bien. Oh, on peut mettre plein de trucs maintenant. Génial. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Augmente la puissance de freinage mais réduit le gain passif de la charge de boost. Réduit le poids du véhicule mais également la force de son accélération. Augmente la force de l'accélération mais augmente aussi la dose de charge de boost nécessaire pour la réaliser. On va prendre ça. On va équiper ça. On va équiper ça. Alors, il nous reste encore 2 points d'amélioration. Augmente le gain passif de charge de boost, mais réduit la vitesse maximum. Changer le type de boost. Tiens. Y. C'est bizarre ça, tiens. Donc actuellement, si je prends ça, elle est où ? Vitesse, accélération, puissance de freinage, maniabilité. Voilà, ça c'est ce que donne ma voiture maintenant, apparemment. Là, j'ai encore une amélioration que je peux acheter. Et là, j'avais quoi? Plaque de glace, chauve-souris, embuscade araignée. Là, c'est pas impec. Augmente la puissance de freinage, mais réduit le gain passif. Augmente le gain passif. Alors j'ai moins de vitesse.
Ah, ça augmente la maniabilité, ça. Change le type de bonbon, je vais laisser comme ça. Ah, augmente l'accélération, tiens, on va prendre ça. Et voilà, notre voiture a 2, 4, 6 trucs équipés. Et comme on peut éviter les trucs d'araignée, j'essaierai bien la première course. Enfin, je l'avais gagné assez facilement, je crois, mais je suis plus sûr. Là où il y avait les trucs de venin. Donc, voyons voir ça. On retourne dans Twills Rampage. On va faire... ici, on va revenir à la première course. Celle avec le venin. Celle-ci. Bon, on a terminé premier, mais c'est juste pour essayer la course de mini-golf avec... bon, à la limite. Non, avec Annie aussi. Bon, non, on va pas le faire. On va passer à travers le venin, mais... Ok, celle-ci. Est-ce que maintenant je pourrais battre le temps? Bah, je vais essayer, tiens. Avec notre voiture suprême. Juste par curiosité, je vais faire deux tours et on verra bien. Donc, faut pas oublier de... sauter, hein. Même, je crois que les obstacles ne me font plus rien, il me semble. Mais on peut essayer, tiens. Je crois que les obstacles ne me font rien du tout. J'ai même pas besoin de sauter, je pense. Ah oui, on attend que ça booste. Si on veut, les atouts que j'ai mis sur la voiture en suprême. Merci les atouts. On explose leur corps grâce à la voiture en suprême. Impeccable. Temps à battre 1.29, c'est battu. On a fait 1.25. Et avant, on avait fait, je sais plus, 1.29, je crois. Et c'est grâce à la voiture qui a été améliorée. Hein. C'est juste de la folie. Impec. Et ben voilà. Ça prouve bien l'intérêt d'améliorer les voitures et de faire un bon build. Et bim, on le passe au max. On peut avancer maintenant vers les autres trucs. Ah, il est vraiment fun le jeu. Hein. Ça change des jeux réalistes. Alors ici, qu'est-ce que ça dit? Monter sur le podium, terminer premier, tout terrain. Ah. Bon, je prends ma voiture super boostée. Oui, il faut appuyer au bon moment sur la gâchette d'accélération quand c'est plus ou moins 2. Là, elle dérape à mort. Peut-être une voiture avec une meilleure maniabilité. Hein. Oh là là, on est sur le terrain. On est sur le terrain. On est une autre voiture pour cette course ici. Bon, par où est-ce qu'on peut passer? J'avoue que je suis un peu perdu. Je sais pas trop où il faut aller. Tirer dans le circuit. Ah,
J'ai du mal à savoir où il faut aller. Ah oui, faut suivre le... Ouais, faut suivre le chemin. D'accord, j'ai compris. Faut suivre le chemin balisé. Il faut passer en dessous. Ouais, c'est un peu... Faut aller entre les chapeaux ici, d'accord. Faut prendre une autre voiture, elle tient pas du tout la route ici dessus. Oh là là, c'est une catastrophe. Ah, faut aller tout droit de nouveau. Ouah, je fais pas beaucoup. De toute façon, on va changer de voiture. On va prendre une voiture avec une très bonne maniabilité. Et peut-être pas trop de vitesse. Oula. Ah oui, pas évident, faut pas qu'elle aille trop vite. Celle-ci tient pas du tout la route. Dans les chapeaux, c'est-à-dire par là. Moi je vais un coup. Par là. Par là. Hop là. Puis après il faut aller par ici. Ouais, bon, j'ai compris où est le tracé. J'avais pas bien compris où était le tracé la première fois, mais bon évidemment. J'ai raté une porte. Ah oui, il y a du checkpoint. Comme dans Forza. Moi je vais la finir pour apprendre le tracé, mais on va prendre une autre voiture après, hein. Je crois qu'elle est pas du tout au point pour ça ici. Oh, ça fait carrément taper par la boule. Voilà. Encore un checkpoint là. Autant remettre tout sur le tracé, ça va plus vite. Dernier tour, bah oui. Pas rater le checkpoint. Pareil ici, faut pas aller trop vite, pas rater le checkpoint, c'est raté. Checkpoint raté. Je me demande s'il faut pas prendre le gros bidule avec les grosses roues. Ah là on est bon. Hop là. Raté le checkpoint encore. Ah, je peux le récupérer mais... Bon. Très mauvais tout ça. Hein. Mais c'est pas le bon véhicule, 12ème, 5 minutes. Oh là là. Et qui c'est qui a gagné? Très bien curieux de voir. Power Rage, moteur vrombissant. Alors on va continuer. Non. Parce que je vais changer de voiture, donc on va continuer. Et on va refaire la course, mais avec une autre voiture. Alors quand même des pièces, un Hot Wheels Spin, tiens un jeton de spin, ça c'est bien.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est reprendre la course. Et on va prendre une autre voiture. On va prendre celle-ci. On va bien voir ce que ça donne. On va passer ici. Allez, maintenant on essaye de faire un bon pouce de départ. Appuyez sur le 2, juste avant le 2. Allez, un double pouce. C'est un peu plus facile avec celle-ci. C'est clairement plus facile avec celle-ci. Oh là là, on s'est renversé. Oh là 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 là. Ah, j'ai checkpoint quand même. Excellent. Ah, je me suis perdu. Ah, dommage. Oh, je vais me remettre. C'est dommage, j'étais bien parti. C'est vraiment dommage. Ah là là, pas évident. Elle est pas facile cette course. La moindre erreur se paye cash. Facile à faire aussi. Même s'il faut encore bien apprendre le circuit. C'est quand même pas évident. Faut pas rater ici le, oh, le checkpoint, je crois que j'ai loupé. J'ai loupé le checkpoint. Dommage. Pourquoi le jeu n'est pas si facile que ça non plus. Et ici vous pouvez pas couper parce que vous avez le checkpoint, vous devez passer en dessous. Je pense que j'ai du mal à trouver la route. Moi je me suis loupé encore. Oh, pas évident. Je crois que c'est fini. En dernier tour encore. Oh là là. Faut pas aller trop vite. Hein. C'était bien droit. Normalement faut passer sous le truc ici, alors du coup on est tout droit pour le, on finira pas dernier cette fois-ci, c'est quand même pas terrible. Bon, hop là, je me suis fait avoir par la boule. Ah, je vois que j'étais pense pas. Ah, celle-ci, c'est pas, elle est vraiment pas facile. Hop, la boule de justesse. Il y a moyen, mais il va falloir s'y reprendre à plusieurs fois.
Je vais aller faire le wheel speed. Allez, on continue. On retourne pour faire le wheel spin qu'on a gagné pour voir ce qu'on en reçoit autour de vous. Direction. Le wheel spin, je sais plus où il est. Peut-être dans le garage. Non. Pas là en tout cas. Dans le garage probablement. Voilà, le wheel spin est là. Voyons voir. $700 on obtient. Je vais voir ce qu'on peut obtenir. Ce qu'on peut acheter encore comme voiture. Ici dans la boutique, qu'est-ce que je peux acheter comme voiture? En faire aperçu, hein, pour voir un petit peu. Il me faudrait une bonne voiture bien maniable. Ah, celle-ci a l'air pas mal, la Fiat. Ah, je prendrais bien la Fiat, tiens, maniabilité, puissance, vitesse. Peut-être un truc... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'Audi Spider. La prototype H24. Voyons voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. Ah, très bonne maniabilité. Vitesse, accélération. Ah, c'est une fusée, ça. Rapide. Fusée. Ultra résistant. Rapide. Fusée. Fusée. Ah, je vais te prendre celle-ci. Allez, je prends celle-là. La Fiat. S'attaquer à n'importe quel virage avec flexibilité. Ah oui, déjà acheté, donc il le met bien. Et bien voilà, on va arrêter ce let's play découverte ici. Je ne peux que vous conseiller de l'essayer. Le jeu est vraiment ultra fun. Si vous avez le Game Pass, n'hésitez pas à le tester. Je vous dis merci et à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne.